Bonjour, j'ai pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Généraliser un peu ce qu'on a fait notamment hier. Hier, on a travaillé sur cette suite d'intégrales-là. C'était aussi une intégrale à paramètres en fait. Je crois qu'elle est de 0 à plus l'infini, de 1 sur 1 plus t carré puissance n dt, quelque chose comme ça. Enfin, au moins quelque chose qui ressemble. Bonjour Alexis, Ambre. Donc, ce que j'appelle une intégrale à paramètres, c'est qu'il y a deux choses. Dans chacune des trois intégrales que je vous ai écrites ici, il y a dt qui varie, donc ce qui veut dire que la variable qui varie le long de l'intégrale, c'est t. Et dans chacune de ces intégrales, il y a un paramètre. Ici, un paramètre de suite qui fait qu'on peut derrière étudier la suite en fonction de la valeur de n. Et là, on va faire une autre notion, mais qui va mener à la même chose, c'est qu'on peut mettre même un paramètre x réel quelconque. Et bien sûr, par exemple, pour cette intégrale-là, on avait dit que quel que soit n, mais attention, il y avait une condition, c'était dans n étoile, et j'insiste sur le étoile qui est là, parce que si vous mettez du n égale 0, ça fait du 1, l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1, elle ne converge pas. On avait montré que cette suite convergeait. Mais en gros, il n'y avait pas de grosses contraintes quand c'est une suite, soit ça n'existe pas, et il y a assez peu de contraintes. Donc aujourd'hui, on va généraliser ça, c'est comme si je vous reprenais l'exo d'hier avec la suite IN, sauf que maintenant, au lieu de mettre du N, je vais mettre du X ici. Et au lieu d'appeler cette intégrale IN, je vais l'appeler I de X. La question est, pour quelle valeur de X est-ce que cette intégrale converge? Si on a des valeurs de x pour laquelle l'intégrale converge, typiquement avec l'exo d'hier, on a vu que ça convergeait pour 1, 2, 3, 4, etc., jusqu'à plus l'infini, tous les entiers, donc n étoiles. Ça veut dire que cette intégrale converge sur n étoiles, ce qui veut dire qu'entre guillemets, si je vois ça comme une fonction de x, ce que je fais là, ça veut dire que le domaine de définition de la fonction i contient au moins n étoiles, et contient certainement d'autres valeurs. Et c'est même plus souvent même des intervalles de fonctions tels qu'on les connaît. Mais ça va être une difficulté, une surcouche en plus, pour essayer de voir en fonction de x si ces intégrales convergent. Donc on va pas bosser sur ix sur laquelle on a déjà bossé hier, mais sur les deux nouvelles qui sont là sur le côté. En fait, la convergence va dépendre de la valeur de x, et ça va nous donner pour quelle valeur de x l'intégrale converge, et donc ça va nous donner le domaine de définition de ces fonctions-là. Donc, étudier la convergence d'intégrales à paramètres qui dépendent d'un paramètre réel x et voir quand est-ce que ça converge, c'est donner le domaine de définition des fonctions gamma et phi que j'ai écrit au tableau. Donc, convergence de l'intégrale, c'est la même chose que trouver le domaine de définition des fonctions. Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui et qu'on va essayer de mettre en place. Okay. Ah si, ça y est, il y a quand même quasiment tout le monde qui est arrivé. Donc allons-y, faisons n'importe quel exercice en premier. Peut-être du coup, commençons par ce qu'il y a de plus simple. Commençons par la fonction phi, donc c'est plutôt l'exercice 7. Donc dans l'exercice 7, on vous donne phi de x, c'est justement l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur 1 plus t puissance x dt. Et on va vouloir voir pour quelle valeur de x est-ce que cette fonction va être définie. Donc on va vouloir déterminer la convergence de cette fonction en fonction des valeurs de x. Ok. Comment on fait ça? Par quoi on commence? J'ai tout là-haut. Generate 27. Allons-y. 13, 38, ça me fait du 11 en partant du bas. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maxence! Qu'est-ce que je fais pour savoir si cette fonction va être définie? Si l'intégrale est convergente, plutôt. Pas oui que je veux savoir ce qu'il faut faire si pour que l'intégrale soit convergente, qui est la première chose à faire.
Pas le... Ah, mais arrêtez avec vos domaines de définition. Je te dis oui avant de répondre, avant de lire. C'est le domaine de continuité de la fonction. Voilà, merci Sana. C'est exactement ça. Donc il va falloir commencer par parler de quelque chose d'un tout petit peu particulier qu'on n'a pas trop l'habitude de faire. On va vouloir connaître le domaine de définition de t donne t puissance x. Bah ça va dépendre déjà. Ça va être quoi le domaine de cette fonction-là? Alors moi je vais faire un cas très très simple. C'est clairement une fonction qui est continue sur R si x est positif. Une fonction positive de t. C'est clairement qu'on continue sur R, il n'y a aucun problème en plus je dis n'importe quoi, puisque c'est une puissance réelle, c'est pas sûr, on va pas parler sur R. On va revenir vraiment à la définition, ce qui va nous éviter de dire des bêtises, parce qu'au moins on va pas avoir de problème là-dessus. Ce qu'on peut dire plutôt, c'est que c'est juste de l'exponentielle de x ln de t, excusez-moi, ça c'est des fonctions de référence qu'on maîtrise bien. Et donc si on le voit comme la composée x ln de t, cette chose-là n'est convergent que pour, à la base, n'est que continue sur R plus étoile. Mais en fait, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Vu que, de toute façon, mon intervalle derrière, ça va être 1 plus l'infini. Ça suffit largement pour ça. On sait qu'on peut définir les puissances entières plus loin. On sait qu'on veut la fonction 1 sur t. Donc t puissance moins 1, elle est définie dans les négatifs. Mais ici, puisque je vais pouvoir le définir pour tout x, pas besoin de m'embêter. Quel que soit x appartenant à R, si je le vois comme cette fonction-là, je peux déjà définir ça sur R plus étoile. Du coup, forcément, il en va de même de t donne 1 plus t puissance x, qui est forcément continu sur R plus étoile. Je viens juste d'ajouter 1. Et maintenant, on va passer à l'inverse. Pour qu'on puisse passer à l'inverse, ça va être continu. Alors, je ne vais pas remettre appartient, je vais faire une phrase pour ça, pour justifier de la continue. Sur R plus étoile si 1 plus t puissance x est différent de 0. Alors ça on peut regarder quand même vite fait ce que ça veut dire. Donc je vais revenir à mes notations, ça me fait du 1 plus exponentielle x ln de t qui doit être égal à 0. Ça fait du exponentielle x ln de t qui doit être égal à moins 1 et il n'y a pas de solution. Pas de solution sur R à ça, donc notamment pas sur R plus étoile. Donc cette fonction sous l'intégrale, elle est bien continue sur R plus étoile. Donc comme elle est continue sur R plus étoile, il n'y a pas d'autre point pour que l'intégrale soit impropre en dehors du classique, qui apparaîtra tout le temps lui, du fait que cette intégrale est impropre en plus l'infini. Donc de cette petite étude-là, on peut déduire que l'intégrale est impropre à l'intégrale est impropre uniquement en plus l'infini. Alors on va pouvoir du coup essayer de voir quand est-ce qu'elle est convergente cette intégrale. Plusieurs façons de faire ça. Donc on va essayer de regarder ça à x fixé. Soit vous arrivez à comprendre ce qui va se passer, à faire un équivalent simple de cette fonction et à déduire directement, mais je pense que vous n'allez pas tous faire ça. Donc je vais vous donner la technique qu'il faut faire sinon. Qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous prendrez un équivalent de ça et essayez de comprendre ce qui se passe? Ou est-ce que vous reviendrez à vous comparer à Riemann? Là c'est vraiment juste une question naturelle. Est-ce que vous voyez l'équivalent simple de cette quantité? Ou est-ce que vous sentez le besoin de vous comparer à Riemann? Il faudra toujours, quoi qu'il arrive, faire l'équivalent après. Mais est-ce que ça vous rassure de vous comparer à Riemann ou est-ce que juste en prenant un équivalent ça vous va? Moi, j'ai aucun problème à prendre un équivalent. La question, c'est pour Ok, Inès. Comme c'est toi qui as pris la décision, je vais le faire. Quand t tend vers plus l'infini, on a 1 au numérateur, on ne peut pas trop le changer. Et au dénominateur, alors c'est pas tout à fait un polynôme, parce que... Tiens, d'ailleurs, en plus, c'est pas évident du tout. En fait, c'est ce que j'allais dire comme bêtise. L'équivalent n'est pas si simple que ça, justement, parce que c'est pas un polynôme.
Si c'était un polynôme, le terme de plus haut degré l'emporterait en plus l'infini. Et donc on aurait un t puissance x. Clairement, si x est dans n étoiles. Déjà, première chose. Dans ce cas-là, c'est un polynôme. Mais je vais un peu trop vite, justement. Parce que, justement, si x. Enfin, plutôt, avant de parler de x, t puissance x. Je rappelle que c'est exponentielle de x ln de t. Clairement, ça va dépendre de la valeur de x, cette chose-là. Parce que comme t va vers plus l'infini, cette chose-là, ça fait clairement, enfin ce qui est dans le ln, ça va clairement vers plus l'infini. Ceci va vers plus l'infini. Maintenant, si je remultiplie par x, cette chose-là, ça va vers trois limites potentielles. Ça va vers bah, plus l'infini si x strictement positif. Ça fait exactement 0, il n'y a pas de forme indéterminée si x est égal à 0, parce qu'en fait je multiplie 0 par quelque chose, ça fera exactement 0. Et ça va aussi tendre vers... pardon, ça va pas tendre vers 0, pas tant que je suis pas passé à l'exponentielle. Ça tout simplement, ça va tendre vers moins l'infini si x est strictement négatif. Donc la limite de ma fonction, en même de penser à un équivalent, la limite de ma fonction va changer en fonction du signe de x. Donc je vais déjà l'établir, sachant ça. Donc 1 sur 1 plus t puissance x, ça tend tout simplement quand t tend vers plus l'infini. Bah, ça va me faire... Alors j'étais pas encore passé à l'exponentielle hein, dans le petit calcul qui était ici. Donc ça va être de la forme tout simplement... J'ai du 1 sur du 1 plus exponentielle de plus l'infini, entre guillemets, qui va me faire du 0 si x strictement positif. J'ai dit que j'avais du 1 sur 1 plus exponentielle de 0 si x est égal à 0. Et je vais me retrouver avec du 1 sur 1 plus exponentielle de moins l'infini, hein, qui fait du 1, ça. Si x négatif ou nul, enfin strictement négatif. Rien que ça, vu qu'on est à l'infini, ça va nous permettre de pouvoir conclure un petit peu mieux à ce qui se passe avant de prendre un équivalent, justement dans le cas où tout va bien marcher et où les choses vont bien se passer. Mohamed Amine, t'as une question? Monsieur, pourquoi ça tend vers 0 si x égale à 0? Alors tu fais exponentielle de 0 fois quelque chose. Ça tend pas vers 1 normalement? Ah non mais tant, là ici quand j'ai écrit ça ici, je ne suis pas encore passé à l'exponentielle. Hein. Sinon ça ne veut pas tendre vers moins l'infini avec une exponentielle. Hein. Là c'est ce qui est dans l'exponentielle. Et donc par contre ici Ah, c'est pour ça d'accord, que je ok. parle de exponentielle de plus l'infini, exponentielle de 0 et exponentielle de moins l'infini. Ok, d'accord. Ok? Merci. Je vais interroger quelqu'un vu que vous n'avez pas l'air de vouloir participer comme ça. 11, alors maintenant je repars au début de la liste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Étienne, est-ce que tu peux me dire donc ces trois limites que je viens de donner, dans quel cas elles nous permettraient instantanément de conclure si l'intégrale converge ou diverge? Sur les trois limites, il y en a certaines qui vont nous permettre instantanément de conclure à la convergence ou à la divergence. Parce qu'on est en plus l'infini. Bah, si ça tend vers plus l'infini, que la limite elle est finie, normalement ça converge. Pas du tout, regarde, je te fais une magnifique intégrale, sa limite est finie, elle tend vers 2. Tu penses vraiment que la surface qui est là, si ça tend vers 2, elle va rester finie si je vais jusqu'à l'infini? Non. Donc justement, c'est un peu comme du contraire de la divergence grossière, comme quand on avait sur les séries de la divergence grossière, quand une série ne tendait pas vers 0, on a à peu près la même chose sur les intégrales, même si c'est un peu plus compliqué. C'est clairement si la limite n'est pas 0 et qu'il y a une limite, le problème est là et il faut qu'il y ait une limite. Ah, si je vous donne un truc en sinus t, vous pouvez rien dire parce que ça n'a pas de limite. C'est-à-dire si je vous donne un truc comme ça, vous pouvez rien dire parce que ça n'a pas de limite, ça ne tend pas vers 0 et on ne sait pas conclure facilement sur ce genre de choses. Mais par contre, clairement, si ça a une limite, comme je viens de faire en graphe, une limite de 2,
Ah bah, au bout d'un moment, ça bouge plus, c'est-à-dire ça reste autour de 2 comme ça. Il y a clairement au moins en dessous une surface minimale qui va rester tout le long et qu'on va pouvoir sommer et qui va tendre vers l'infini. Donc le problème de ces deux calculs, c'est justement les cas qui sont ici, où si x est négatif ou nul, la fonction ne tend même pas vers 0 en plus l'infini. Donc si x est négatif ou nul, l'intégrale est divergente. La fonction n'est pas définie sur R-. Alors, hop, on va déjà le dire. Donc ça, c'est ce qui était important. On a que, donc si je pose f2, alors si je pose fx de t, la fonction qui a 1 sur 1 plus t puissance x, ne tend pas vers 0 en plus l'infini. Ça implique que l'intégrale de 1 plus l'infini de fx de t dt diverge, ce qui implique que la fonction phi de x, vu que c'était les valeurs de x, n'est pas définie. Ne tend pas vers 0, j'ai oublié de préciser, c'est très important si x est négatif ou nul, c'est les deux cas verts que j'ai écrits, diverge si x est négatif ou nul. Donc ça permet de conclure que phi de x n'est pas défini sur R-. On n'a rien dit sur R+, sauf que sur sur R+ étoile. Sauf que sur R+ étoile, la limite c'est bien du 0, et surtout sur R+ étoile, notre quantité t puissance x, elle se comporte bien comme une exponentielle qui va vers l'infini. Donc là, mes techniques d'équivalent de tout à l'heure vont bien marcher. Je voulais mettre en place au début qui marchait très très bien. Ça va me permettre de conclure très très vite. Mais je devais quand même faire pas dire de bêtises en utilisant l'ensemble dans le cas x négatif, ça aurait pas marché. Alors maintenant, si x strictement positif, on peut reprendre, on a 1 sur 1 plus t puissance x, qui est équivalent quand t tend vers plus l'infini. Bah là, clairement, ça tend vers plus l'infini, donc ça domine le dénominateur. Ça, c'est équivalent à 1 du 1 sur t puissance x. Et donc, qui va avoir le droit de me donner son cours? Léo! Est-ce que tu peux me dire pour quelle valeur de x l'intégrale va converger, du coup, quand x est posé strictement positif? Vu la forme de l'équivalent, c'est à peu près évident. Alors justement, non, pour quelle valeur de x maintenant t va vers plus l'infini? Et donc ça, l'équivalent, il est en t puissance x. Si je te dis que par exemple t vaut 2, ça me fait un équivalent à 1 sur t carré, clairement ça converge. Et la question, c'est pour quelle valeur de x, sans fixer x à l'avance, est-ce que tu vois pour quelle gamme de valeurs ça va converger et pour quelle gamme de valeurs ça va diverger? Alors, x positif, je suis pas d'accord avec toi. Parce que si je mets du x égale, par exemple, 1 demi, je me retrouve avec du 1 sur racine de x, du 1 sur racine de t. Et ça, c'est une intégrale divergente en plus l'infini. Très très bien, Charlotte, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est du. Ici, en fait, il faut voir que le x, il joue le même rôle que dans notre cours, ce qu'on appelle alpha pour les intégrales de Riemann. Donc en fait, ceci, c'est équivalent à la fonction qui est sous l'intégrale de Riemann. En plus l'infini, c'est convergent que si alpha plus grand que 1. Donc ici, par critère d'équivalence. Sur les intégrales de fonctions positives. On a que l'intégrale de 1 plus l'infini de ma fameuse fonction fx de t dt converge si et seulement si x strictement plus grand que 1.
Pourquoi c'est pas défini quand x tend vers 0, quand x est égal à 0? C'est pas que c'est pas défini, c'est que ça. Ben, si tu mets du 1 sur, du x égal à 0 dans dans ton terme, au dénominateur, tu as du t puissance 0, Hugo. Donc si tu as du t puissance 0, ça fait 1 quelle que soit la valeur de t. Donc tu as une fonction qui vaut constamment 1/2. Donc même graphe que tout à l'heure, tu as une fonction qui vaut constamment 1/2. Et tu veux en faire l'intégrale, enfin qui vaut là, point, c'est la fonction 1/2. Et je veux faire la surface jusqu'à plus l'infini. Tu penses vraiment que la surface, elle va être finie? C'est clairement une intégrale divergente, hein. Il suffit que je prenne l'intégrale de 1 à a de 1/2 dt. Ça me donne du 1/2 de t, de t à prendre entre a et 1. Ça me fait du 1/2 de a moins 1. Si je fais tendre a vers plus l'infini, ça fait du plus l'infini. Hein. C'est juste ça. C'est du basse fois hauteur du. Enfin, oui, c'est du basse fois hauteur. Ça va mieux, Hugo? Bien sûr, le si et seulement si x strictement inférieur à 1, ça suffit, mais c'est par comparaison. Alors attention, hein, c'est très important, et même Léo, c'était pas clair, bah on le sait ça dans le cours, Baptiste, si t'es équivalent à 1 sur t. Alors Baptiste, si on est équivalent à 1 sur t, on converge ou on diverge? C'est dans le cours. Oui, dans ce cas-là, ça diverge. Donc c'est bien pour ça que ça converge. Attention, hein, j'ai bien donné les deux résultats en écrivant ça. Ça converge si et seulement si x plus grand que 1. Donc en même temps, je dis la phrase similaire qui est que je dis que si x est inférieur ou égal à 1, ça diverge, hein, tout simplement. Attention à ce point de détail. Je dis les deux en même temps en disant en même temps mon si et seulement si. Parce que justement, en fait, 1 sur t puissance x, si je remplace x par alpha, c'est une intégrale de Riemann. Et on sait que ça converge quand alpha est plus grand que 1 à l'infini. Attention donc cette question-là. Hein. Donc au final, ça permet de dire quoi? Ça permet de dire que la fonction phi est définie sur 1 plus l'infini, est définie sur 1 plus l'infini. Donc phi de x existe si et seulement si x plus grand que 1. Erwan, t'as une question? Et avec peut-être quelqu'un d'autre, j'avais pas vu, mais j'ai vu Erwan lever la main et Oussama après. Oui, monsieur. Juste au-dessus, vous avez écrit si x plus petit ou égal à 0, mais c'est pas 1 du coup. Non, non, tout à l'heure, mais alors, je peux pas tout écrire sur un seul tableau. Tout à l'heure, j'ai fait trois limites de la fonction fx de t. Fx de t, elle tendait vers 0 si x était strictement positif. Elle tendait vers 1 si x était strictement négatif. Et elle tendait vers 1/2 si x valait 0. Donc, ce que j'ai dit là-haut, c'est que dans ces deux cas-là, qui correspondent bien au cas x négatif ou nul, puisque la limite n'est même pas 0, il n'y a aucune chance que l'intégrale converge. Donc que la fonction n'était pas définie. Est-ce que ça te va, Erwan? Ouais, ok, merci. Ça, c'était lié à la limite d'avant, en fait. C'était lié aux limites Ouais, que j'ai fait juste d'accord, avant. ok. Dans le cas où la limite fait 0, maintenant j'ai le droit de prendre, maintenant dans la nouvelle méthode, mon équivalent, dans le cas uniquement x strictement positif. Et c'est dans ce cas-là que je peux utiliser ma méthode d'équivalent pour conclure. Sinon, en fait, c'est juste que le terme en t puissance x ne domine pas. C'est pas lui qui domine au dénominateur dans ce terme-là, et je ne peux pas prendre l'équivalent. Donc maintenant, je peux faire mes équivalents et conclure par une méthode d'équivalent. Oussama? Je voulais juste vous demander, monsieur, du coup, on n'a pas Oula, parlé. monte ton son, Oussama, je t'entends pas bien. Là, ça va, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Du coup, est-ce qu'on n'a pas la même analogie avec les séries? C'est-à-dire que si ça converge vers plus l'infini, l'intégrale, du coup, bah, la fonction en plus l'infini, ça fait zéro? Non, alors tu me redis ça, tu me. Enfin, si j'oublie, tu me rappelles ça à la fin de cet exercice. Je vous montre la monstruosité qui fait que ça marche pas ce que tu dis. Ce qui est vrai, c'est ça, si je dois rajouter une condition. Si ta fonction a une limite non nulle, si elle a bien une limite non nulle, alors oui, le résultat de divergence grossière marche très très bien.
Mais le problème, c'est que je peux te créer des fonctions qui n'ont pas de limite à l'infini et qui vont absolument même pas vérifier ça du tout, et pourtant l'intégrale sera convergente. Je vous montre un exemple horrible juste après. Mais si la fonction a bien une limite finie, c'est-à-dire si elle peut pas sortir d'un goulot autour de L entre epsilon et moins epsilon, hein, enfin, je me permets juste d'effacer ma phrase de conclusion pour faire un graphe, mais quelle que soit la valeur de L, hein, même si L c'est 0,1, hein, même si L, ma limite L c'est aussi petit que vous voulez 0,1, je peux trouver des petits epsilon autour pour dire que ma fonction va plus changer de ce gamme-là, ma fonction elle reste dans le tube. Bah, dans ce cas-là, je peux prendre le tube en L moins epsilon qui est strictement positif, et je peux majorer l'intégrale en disant qu'elle est forcément plus grande que tout ça. Et ça tend clairement vers plus l'infini, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc si vous dites qu'une fonction admet une limite qui n'est pas 0 en plus l'infini, donc son intégrale ne converge pas, ça suffit largement. Ce qu'il ne faut pas dire, c'est que juste, si vous ne savez pas qu'elle a une limite, dire ah bah ça n'a pas de limite, donc la limite n'est pas 0, donc ça ne converge pas. Ça c'est pas vrai. C'est si ça a une limite non nulle, on peut conclure. C'est ça qui est à peu près l'équivalent de la divergence grossière. Est-ce que ça va, ça, Oussama? Je ferai l'exemple après, mais est-ce que ça répond déjà plus ou moins à ce qui peut se passer? Oh ouais, d'accord, merci. Moi, c'était juste par rapport si ça converge, plus l'infini, ça fait 0. Du coup, c'est pas vrai. Non, je vais montrer un exemple horrible après, mais moralement, par contre, ce qui est vrai, c'est si la limite c'est 1 ou 2, tu sais que ça diverge. Ça, tu peux le dire. Ça diverge. Merci. Est-ce que ça va pour ce domaine de définition? Donc, la conclusion, c'est que le domaine de définition de cette fonction, c'est 1 plus l'infini, excluant 1. Donc la fonction phi de x, entre guillemets, son domaine de définition, les valeurs pour lesquelles l'intégrale converge, il faut que x appartienne à 1 plus l'infini. Ça, maintenant, on le sait. Ça, c'est une grosse compétence, ça vous est demandé très souvent. Votre DM, c'est une intégrale à paramètres. Donc pareil, il va falloir parler du domaine de définition de la fonction pour dire pour quelle valeur l'intégrale converge. C'est quelque chose de dur pour vous, c'est parce que justement il y a des paramètres et que vous n'aimez pas ça et qu'il faut être clair sur qu'est-ce qui varie, est-ce que c'est x, est-ce que c'est t, est-ce que c'est n quand il y a des paramètres. Faut être clair là-dessus. Mais quand vous êtes clair là-dessus, ça se passe bien. Faut juste vraiment se concentrer et pas dire de bêtises. On continue. Et on va passer à la deuxième question. Donc maintenant, j'ai une fonction phi de x, donc je la réécris, qui vaut l'intégrale de 1 plus l'infini de 1 sur 1 plus t puissance x dt. Je sais que x appartient à 1 plus l'infini, sinon je ne peux pas définir phi de x. Et maintenant, on me demande en deuxième question d'étudier la montrer que phi est décroissante. Sur son domaine de définition, donc sur 1 plus l'infini. Comment on peut faire pour la décroissance? Alors, qui va avoir le droit de me raconter des grosses bêtises là-dessus? 25, qui est en 25? 25, vous êtes 30, 40, ça fait 15 à partir du bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maël! Qu'est-ce qu'on fait pour montrer que la fonction phi est décroissante ici? Qu'est-ce que tu suggères de faire? Aucune idée. Alors c'est parce que j'ai dit que vous alliez dire des bêtises que t'oses pas le dire, ou je suis quasiment sûr qu'il y en a plein qui ont une idée, hein. Ils se disent qu'ils savent absolument pas comment ils pourraient faire, mais ils ont une idée. Je pense que avoir une idée, c'est assez simple. Je vois des mains levées. Alors, il y a encore Oussama. Est-ce que c'est pour répondre ou est-ce que c'est pour, parce que tu n'as pas enlevé? J'ai François qui a levé la main après. Je pense qu'il faudrait regarder la décroissance de la fonction sous l'intégrale. Et que, comme elle converge en plus l'infini vers 0, alors dans ce cas, elle sera décroissante. Alors, justement. Si tu me parles de ça, tu me parles de la décroissance de la fonction à x fixé. Oula.
à x fixé de la décroissance de la fonction en t. Est-ce que tu es d'accord? Mais C'est si ça on que tu me fait... parles, François. Ouais, et si on fait une disjonction de cas dans ce cas en regardant pour les x, pour les trois valeurs de x pour lesquelles on avait regardé? Alors oui, tu auras des comportements, je suis complètement d'accord, différents pour cette fonction-là. Mais là, le problème, c'est que la décroissance de phi, c'est pas la fonction de t qu'il faut regarder à x fixé. Ce qui varie là-dedans, c'est x qui Ah varie. oui, c'est Donc c'est x. pas le même problème exactement. Sana, tu voulais répondre aussi ou c'était une question? C'était pour répondre, mais en fait, je pense que c'est pas ça, mais je viens Il de faut dire le quand dire quand même. même, faut que quelqu'un le dise. Qu'est-ce que tu aurais fait? Je voulais faire une étude de signe Signe de de la fonction quoi? sous l'intégrale, de la fonction sous l'intégrale, pour voir après si, enfin, pour auquel cas elle est au-dessus ou en dessous de zéro, pour voir après, enfin, en fait, non, ça change rien. Ben, la fonction est toujours positive. Hein. Bah, c'est ça, du coup, ça change rien. Non, non, ça va pas. Oui, si pour deux valeurs, je suis d'accord avec toi que s'il y avait des cas où elle était négative et d'autres positives, on aurait pu conclure que les cas négatifs étaient forcément des valeurs pour lesquelles la fonction était en dessous des positifs. Mais non, trop simple et pas adapté ici. Mohamed Amine, tu avais vu lever la main, tu l'as enlevé. Ah, mais vous, justement, hein, comme quoi cet exo il est trop bien, ça vous fait poser plein de choses qu'ils disent des bêtises. Alors, justement, Pierre, tu dis, voilà, c'était ça que je voulais que quelqu'un dise. Et pareil, Alexis, c'est un peu la même chose. On va dériver. Je pense que vraiment, et c'est pour ça que je fais ça, et c'est pour ça qu'il faut que vous reteniez ce qu'on va faire là. Oui, ça va être un truc comme ça, Erwan, ça va être une amorce. C'est de la positivité de l'intégrale aussi. Oui, ça va être la même chose, Inès, ça va être ça. Mais moralement, pour Alexis, pour Pierre, ça, quand vous n'êtes pas préparé à ce genre de questions, à ce genre de fonctions qui dépendent d'une intégrale, et on va en reparler un petit peu autour de ça, je pense que penser à vouloir dériver, c'est ce qui vous paraît naturel. Sauf que vous n'avez pas de règle de dérivation dans votre cours, et que notamment dériver ça voudrait dire quoi? Comment on dérive ça par rapport à x alors qu'il y a des bornes qui vont jusqu'à l'infini? C'est pas très très clair. Les scientifiques ont ce qu'on appelle des théorèmes de dérivation sous l'intégrale. On les a pas. Donc c'est pas comme ça qu'on va faire. Parce que nous, les exemples qu'on va avoir vont être beaucoup plus simples que ça et on n'aura pas besoin de faire ça. L'idée repose sur ce qu'a dit Erwan et Inès, qui marche très très bien, et qui est une mauvaise idée de ce qu'a dit Baptiste. Alors je reviens sur ce que t'as dit Baptiste aussi. On peut pas dériver ces fonctions-là parce que c'est pas dérivable. On ne sait même pas que c'est dérivable cette fonction-là, à cause de l'intégrale de 1 plus infini. Mais phi de x plus 1. Moins phi de x. En quoi ça va donner... Pourquoi j'écris phi comme ça, moi? Je sais pas, mais c'est pas grave, c'est parce qu'on est vendredi et vacances, je pense. Je suis désolé, je te donne une fonction qui en x vaut telle valeur. Je vais me mettre en x plus... Enfin, en x ici, j'ai une fonction phi de x. Je me mets en x plus 1. Même si ça monte entre les deux, je te fais ce magnifique graphe-là. Et elle n'est pas monotone. Donc justement, parce qu'ici on a une variable continue et non pas une suite, si on avait une suite, Baptiste, faire du in plus 1 moins in suffit largement. Mais puisqu'on a du phi de x avec x qui varie continu, il va falloir revenir à la variation des réels entre eux. Donc il n'y a pas le choix pour prouver, puisqu'on n'a pas de règle de dérivabilité, la première chose, si vous voulez dériver ça, c'est de me parler de la dérivabilité des fonctions que vous voulez utiliser. On ne sait absolument pas parler de la dérivabilité de ces fonctions. D'où aussi l'intérêt de savoir dire qu'au début, dès que vous voulez dériver, il faut penser à dire si c'est dérivable ou pas. Parce que là, vous vous dites, oula, je sais pas comment je prouve que ça c'est dérivable. Ah, donc c'est pas une bonne idée. Il n'y a pas le choix. C'est on revient à la définition de la monotonie. Alors la définition de la monotonie, c'est on va prendre x strictement plus petit que y. Si on prend x strictement plus petit que y, on veut savoir comment on va pouvoir analyser phi de x à phi de y. Alors pour ça, il faut lier. En gros, c'est comme d'habitude, il faut partir du x qui est là. Et on va faire la même chose en y. Et on va dézoomer. On va faire une amorce en fait. Alors du coup, le premier dézoom, il est lié au fait qu'on a du t puissance x. Alors je rappelle, je vais m'en servir juste après, mais je le mets dans un coin vu que ce n'est pas directement lié au calcul. Que t puissance x, c'est du exponentiel de x ln de t, il faut le savoir. Parce que maintenant, ça nous dit clairement quelles opérations je vais faire sur ce x plus petit que y.
Je vais commencer par multiplier par ln de t. Alors je n'ai le droit de le faire que parce que je connais le signe de ln de t. Ln de t positif sur 1 plus l'infini, qui est le domaine de l'intégrale. Et c'est un fois ln de t, je ne compose pas, hein, je fais une multiplication. C'est pour ça que je regarde le signe et non pas la croissance. Maintenant que j'ai mon x ln de t et mon y ln de t, maintenant je vais composer par l'exponentielle. L'exponentielle est strictement croissante, donc ça me donne du exponentiel x ln de t qui est plus petit que exponentielle y ln de t. Là, je fais juste une simplification de notation. Je vais bien prouver que t puissance x est plus petit que t puissance y si y est plus grand que x sur 1 plus l'infini. Je suis revenu et j'ai fait un peu de zèle pour arriver, c'est-à-dire que les deux étapes intermédiaires là, c'est un peu du zèle, hein. Vous devez savoir que si x est plus petit que y, t puissance x est plus petit que t puissance y, mais c'est bien parce qu'on est sur l'intervalle 1 plus l'infini. Je vous rappelle vos graphes des fonctions de référence. Si x fait ça, ça c'est x, j'ai bien x carré qui fait ça ici, mais entre sur 0, 1, j'ai x carré qui est plus petit. Donc si on avait été sur l'autre intervalle 0, 1, l'ordre des bornes, ici l'ordre de l'inégalité aurait été inversé. J'ai une main levée, mauvais Damine, t'as une question? Pourquoi j'ai compris l'intérêt de mettre un x plus petit qu'y que pour trouver la monotonie C'est de quoi la la fonction sur définition d'une l'intégrale? fonction monotone, Mohamed Amin? C'est quoi la définition? Enfin, qu'elle ne varie pas. Oula! Ah non, monotone, ça veut dire croissante ou décroissante. C'est constante, sinon, ce que tu me dis. Ok, mais pour le plus petit Y, est-ce qu'on cherche à... Mais j'ai pas compris pourquoi on impose un Y qui est Mais supérieur à la X. définition d'une fonction est croissante sur i, f croissante sur i, c'est juste dire que si i est un intervalle qui prend tout ça, là, si ça c'est i, si je prends n'importe quel point x et n'importe quel y dans i, il faut que f de x soit plus petit que f de y, c'est ça la croissance. Ah, donc on cherche à voir si l'inégalité ne change pas. Voilà, en fait, à la fin, on veut obtenir une inégalité entre phi de x et phi de y et savoir dans quel sens elle va, cette inégalité. Ok, d'accord. Ok? Merci. Ok, merci. Allons-y. Maintenant que j'ai t puissance x, ça va aller vite. Je n'ai plus qu'à ajouter 1 composé par l'inverse. Plus 1, ça me fait du 1 plus t puissance x plus petit que 1 plus ty. Je compose. Par t donne 1 sur t qui est strictement décroissante, ça me fait ceci. Et maintenant, il faut que j'intègre. On ne sait pas, comme très souvent, on ne sait pas intégrer directement de 1 plus l'infini. Donc on va juste poser soit a strictement plus grand que 1, ce qui veut bien dire que les bornes sont dans le beau sens en disant ça. Ce qu'on peut dire, c'est, et je viens de refaire une bêtise en mettant mon équivalence, c'est uniquement une implication, attention. Justement, je vais le faire, tiens, je vais dire hop, et je la barre, il n'y a pas de retour. Quand on utilise la positivité de l'intégrale, ça donne que l'intégrale de 1a de 1 sur 1 plus t de puissance x dt, c'est strictement plus grand que l'intégrale de 1a de 1 plus t puissance y dt. Et maintenant, si je fais tendre a vers plus l'infini dans cette inégalité, tiens, je vais embêter quelqu'un avec ça. Hop. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baptiste, ça donne quoi la limite quand je vais faire tendre de a vers plus l'infini? Qu'est-ce qui va se passer pour mon inégalité si je fais tendre chaque membre, dans chaque membre, a vers plus l'infini? Les deux, ça traverse zéro. Alors non, ça va tendre vers ma fonction phi, mais ça va me donner de si a tend vers plus l'infini, ça va me faire ça. Ça va me faire du 1 tend vers plus l'infini de ceci. L'autre, ça va clairement faire du 1 à plus l'infini de 1 plus t puissance y dt. Et j'ai une question sur le symbole que je mets entre les deux.
J'aurais dit égal, mais je suis pas sûr. Alors, on avait du supérieur strict. Tu penses vraiment qu'à partir du supérieur strict, on arrive à du égal à la fin? C'est pas vu que c'est en plus l'infini, ça a pas la même limite ou un truc comme ça? Alors, justement, faisons un dessin juste pour voir ce qui peut se passer. Tu vas comprendre quelle est la subtilité, mais je vois qu'Alexis veut répondre. Qu'est-ce qu'on doit mettre, Alexis, comme symbole? Moi j'aurais juste remis supérieur égal, enfin, la même chose. C'est pas la même chose alors. Bon bah tant pis. J'ai une première fonction, l'autre est toujours strictement plus petite. Et je veux savoir la limite des deux valeurs, entre guillemets. Et ça qui peut se passer. Supérieur strict, je suis pas d'accord, Pauline. Sana? J'aurais dit inférieur strict parce que comme on est revenu à l'inégalité du début, donc ça prouve bien. Enfin, oui, enfin, je sais pas si c'est très clair. Ah non, on voulait la monotonie de la fonction, j'ai jamais dit qu'elle était croissante. C'est Hein. ça. Là, on va obtenir qu'elle est décroissante si on fait bien les choses. Mais ce que je voulais vous dire, mais j'aurais pas cru que ça vous aurait posé tant de problèmes. C'est juste un truc que j'ai déjà répété plein de fois sur les limites. Imaginons que pour tout x, j'ai des fonctions qui sont strictement plus petites l'une que l'autre. C'est ce qui se passe. Ici, quand je vais aller à la limite, est-ce que vous êtes sûr et certain que les limites vont être strictement plus petites l'une que l'autre? Oui, voilà, c'est ça, Baptiste. À la limite, mes deux fonctions, même si l'une est strictement plus petite que l'autre, elles peuvent se rejoindre. Autre graphe qui a à voir avec ça. Vos suites adjacentes, il y en a une qui est décroissante, strictement au-dessus de l'autre tout le temps, l'autre qui est croissante, strictement en dessous. À la fin, à la limite, elles ont même limite. Et c'est parce que toutes les inégalités strictes, à la limite, deviennent des inégalités larges. Donc attention, on a pris x inférieur strictement inférieur à y, on obtient. Alors ça, on peut le renoter, je le note juste en bas de page dans le coin pour que ça passe. Ça, c'était phi de x plus grand que phi de y. Hop, j'efface mon dessin horrible là-haut. Oups, j'ai effacé un peu trop, mais c'est pas grave. Donc je reviens en une seule ligne. C'est ce qu'Alexis avait dit. Oui, mais il avait dit supérieur ou égal comme c'était écrit juste au-dessus. Et au-dessus, c'était pas écrit supérieur ou égal. Donc je ne sais pas si c'était sa langue qui disait des bêtises ou si c'était son idée. Donc j'ai dit que c'était faux, comme à chaque fois, quand j'ai un doute. Donc ce qu'on a obtenu, c'est que, mince, du coup j'écris des bêtises. X plus petit que Y, ça donne phi de x supérieur ou égal à phi de y. De ça, on peut en déduire quoi? Alors, je vais embêter quelqu'un, il n'y a que 4 possibilités. Soit vous en déduisez que phi est strictement croissante, soit vous en déduisez qu'elle est croissante, soit strictement décroissante, soit décroissante. Alors, une chance sur 4, qui va avoir le droit de jouer? 4. 1, 2, 3, 4. Angèle, ça permet de montrer quoi? Bah, si x est inférieur à y et que phi de x est supérieur à phi de y, c'est décroissant. Oui, et on ne peut pas aller plus loin, c'est juste décroissant et ce n'est pas strictement décroissant. Si on avait réussi à prouver une inégalité stricte ici, ce que je mets en rouge mais que je vais enlever tout de suite, alors on aurait pu prouver strictement décroissant, mais sinon celle-là c'est très très bien, Angèle, c'est juste décroissant, on ne peut pas dire mieux. Mais voilà la preuve de la fonction est décroissante. Voilà pour ça. Classique, cette méthode-là pour prouver la monotonie d'une intégrale improbe. Je vous le dis aussi, dans votre DM, il y en a une à faire à un moment. C'est le même concept. Vous ne pouvez pas dériver ces fonctions. Il faut revenir à une amorce point par point et composer successivement les étapes. Ça pour moi, bon, mais encore une fois, les questions de cours, ça a plus trop trop de sens. Quoique, c'était qui? Je sais plus quel groupe a eu Monsieur Pruvot et j'ai vu dans ses comptes rendus que Monsieur Pruvot a quand même donné des questions de cours. Apparemment. Je mettrai ça en question de cours. Cette question-là, elle me paraît ultra importante. Ça va prouver que la fonction phi est décroissante sur son domaine de définition. Ah.
Alors, dernière question, déterminer la limite de phi en plus l'infini. Oui, ok, bon, c'est pas grand-chose. Je me rappelais plus pendant 10 secondes, j'ai eu un doute sur comment on faisait ça. On va le faire très vite, c'est beaucoup moins intéressant. Alors, on va quand même faire la question 3, mais on vous demande la limite quand x tend vers plus l'infini de phi de x. Alors, je vais vous aider. On va pouvoir essayer juste de montrer. On va montrer en intermédiaire, montrer que. Alors, je vais essayer de ne pas faire d'erreur de calcul vu que je le fais de tête. Mais c'est montrer que phi de x est plus petit. Si je dis pas de bêtises. Alors, justement, pour ne pas dire de bêtises. Je le fais pas de tête, ça me fait ça, à prendre à l'infini, ça fait du 0, et je reviens en 1, ça va donner ça. Je rajoute une question intermédiaire, si la question intermédiaire, ce serait montrer que phi de x est plus petit que 1 sur x moins 1. Genre de question technique un peu compliquée, mais c'est ça qui fait prouver que la limite va être 0 après, parce qu'on sait déjà que phi est positif, on sait que ça tend quand x tend vers plus l'infini vers 0. Donc ça, par théorème des gendarmes, si on a une inégalité de ce type-là, et dans un sujet d'écrit, il y aurait eu cette inégalité-là à prouver en intermédiaire, ça prouve que phi de x tend quand x tend vers plus l'infini vers 0. Donc je renomme cette question pour que ça fasse un calcul un peu plus... Enfin, que ça a l'air d'un calcul technique, vu que c'est ça qu'il faut faire. Mais la conclusion, ça va être que la limite, c'est 0. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment on obtient mon inégalité ou comment j'ai fait? C'est trop compliqué à voir. Je pense que c'est trop compliqué à voir pour vous, donc il n'y a pas le choix, il faut revenir à la base. J'essaye de trouver une inégalité sur phi de x. Comment je peux faire? Quelle est l'idée pour obtenir une inégalité sur phi de x qui donne un truc comme ça? Comme c'est dur, est-ce que quelqu'un a une idée? Sinon, je sévis encore une fois. C'est pas simple du tout celle-là. Enfin, l'idée est pas si compliquée que ça, mais la mettre en œuvre derrière, ça c'est typiquement quelque chose sur lequel vous avez du mal. Alors, j'ai tiré quel numéro? 10. Baptiste. Amorce. Amorce à partir de quoi en fait? Parce que si on fait une amorce entre x et y, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure pour prouver la décroissance. Donc. Si on part d'une amorce entre x et y, ça va pas aboutir directement. Simon, t'avais levé la main, t'abandonnes ton idée. Est-ce qu'on pourrait taf? Je veux dire, appliquer le théorème des accroissements finis. C'est ça, c'est ton résumé de on pourrait taf? Ah, ok. Mais il me faut un accroissement pour le taf. Ah, phi de 0. Phi de 0, ça n'existe pas. Alors, et on peut pas faire un taf avec une borne infinie. C'est-à-dire, c'est pas parce que phi, on peut pas écrire phi de l'infini égale 0. Ça n'a pas de sens, ça. Mais sinon, j'aurais compris ce que tu cherchais. Ouais, mais autre problème, troisième problème. Le théorème des accroissements finis, Alexis, ça fait intervenir la dérivée. Or, on vient de prouver la décroissance par une méthode qui revient à la définition, justement parce que cette fonction n'est pas dérivable. Donc, il y a un million d'arguments pour dire que le taf n'est pas une bonne idée ici. Non, alors j'étais tombé sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Erwan, t'as pas une idée? IAF, mais c'est la même chose, inégalité des accroissements finis, il faut toujours des dérivés, il faut toujours un accroissement. Récurrence, c'est une propriété qui dépend de x, pas de n. Ça va poser un problème. Oussama. Est-ce qu'on peut essayer de majorer phi de x, par exemple 1 sur 1 plus t à la puissance x est inférieur à 1 t à la puissance x, et puis t à la puissance x c'est t à la puissance moins x, et essayer de la primitiver? Ouais, c'est exactement ça l'idée, t'as le bon résultat. Si tu mènes tes calculs juste au bout, t'obtiens exactement le bon résultat, Oussama, c'est exactement ça. Alors. Donc l'idée, elle est pas si simple que ça à voir, mais en fait, elle devient naturelle quand vous essayez de réfléchir à ce que vous pouvez faire et ce que vous devez faire. Et par rapport à ce qu'on sait faire. Première question toute bête, est-ce que c'est simple de comparer une intégrale à un nombre?
Réponse, et c'est toujours la seule et unique réponse, non. La seule chose qu'on peut comparer, c'est une intégrale à une intégrale. Point. Ça, c'est la première réponse. Donc maintenant, ça mène à un deuxième point qui est que ceci, ça doit être l'intégrale de quelque chose. Alors, quel est ce quelque chose? C'est là où c'est dur. Puisque phi est déjà une intégrale et que c'est l'intégrale de 1 plus l'infini de 1 sur 1 plus t puissance x dt, c'est forcément une intégrale qui est supérieure ou égale. On va forcément quasiment prendre les mêmes bornes. Et donc la question, c'est par quelle fonction je peux majorer cette fonction-là par un truc simple dont je pourrais calculer l'intégrale pour ramener un nombre. Donc c'est ça l'idée. L'idée, elle est pas dure. C'est forcément ça qu'il va falloir faire. Je pense que c'était un peu ton idée derrière une amorce, mais mal dit ou pas clair, parce que c'est pas si simple qu'une amorce dans le sens où là, on part pas de deux inégalités, Baptiste. Mais ça va venir des choses comme ça. Mohamed Amine, t'as une question? Monsieur, est-ce qu'on aurait pu mettre le phi moins 1 sur x moins 1 et rendre le 1 sur x moins 1 comme intégrale entre 1 et plus l'infini et mettre sous l'intégrale sa dérivée? Alors attention, ça marche pas. Cette méthode que tu me proposes marche quand tu as une fonction dont la borne du haut c'est x. Ici, c'est à une intégrale de 1 plus l'infini d'un truc qui dépend de x. Ça marche pas ton truc. Cette méthode-là marche pas, moi, mes amis. Mais. Tu peux pas dériver la fonction x moins 1 n'est pas le résultat d'un calcul de dérivée. Non, mais je voulais. En fait, le 1 sur x moins 1, je le rends comme intégrale. Et vu que ça dépend de. Mais intégrale de quoi? La variable qui varie sous l'intégrale, c'est t. Ah, ok, d'accord. Tu vois le problème, voilà, ça y est. Mais c'est ça le problème, hein, mais c'est pour ça que c'est vraiment pas si simple que ça à faire. Donc la question, c'est par quoi je peux majorer cette quantité-là, donc la quantité qui est là. Hein, tiens, petite question, rien à voir, mais petite question, je me la suis posée depuis 2 jours et je ne voulais pas demander. Est-ce que vous voyez mon pointeur ou pas? C'est-à-dire quand je tourne autour d'une quantité sans mettre de flèche, est-ce que vous me voyez tourner autour de la quantité? Le rond que j'ai fait, en fait, avec mon pointeur, je tourne autour. Non, ça vous le voyez pas. Ok, donc à chaque fois que je vous dis, oula, wow, c'est bon, d'accord, j'ai compris. Ok, j'ai compris, vous le voyez pas. C'est bien de me le dire parce que le nombre de fois où j'entoure des choses, on dit vous voyez là et il faut que je pointe comme ça avec une flèche. Donc l'idée c'est cette fonction là, il faut la majorer par quelque chose dont on peut calculer l'intégrale simplement sur 1 plus l'infini. Donc là en fait, il y a que deux choses à dire assez simples, c'est que pour majorer cette fonction, il faut minorer son dénominateur parce qu'après on va passer à l'inverse. Donc il faut trouver un minorant simple de 1 plus t puissance x qu'on va pouvoir primitiver. En fait, le minorant simple, c'est t puissance x, parce que diminuer de 1, ça marche toujours. Parce que 1 est plus grand que 0, si vous voulez. Maintenant, si je passe à l'inverse, ça me dit bien que 1 sur 1 plus t puissance x est plus petit que 1 sur t puissance x. Ça, je peux le réécrire t puissance moins x. Et maintenant, je peux intégrer ça de 1 à plus l'infini. Si on intègre ça de 1 à a déjà avant d'intégrer de 1 plus l'infini. Si on intègre ça de 1 à a, ça me donne que l'intégrale de 1 à a de 1 sur 1 plus t puissance x dt, c'est plus petit que l'intégrale de 1 à a de t puissance moins x dt. Et qui va me donner la primitive de cette chose infâme? Nous générons le numéro 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. François, quelle est la primitive de ce t puissance moins x? C'est du...
Alors le x n'est pas censé varier. Voilà, c'est t qui varie. Donc C'est du du t 1 puissance puissance moins x. x. Pardon? Du 1 puissance moins x. Pourquoi il y aurait du 1? C'est du t qu'on va mettre comme Non, rapproché. pardon, en primitive, pardon. Oui. Ah oui, en Donc dans ce primitive. cas, dans ce cas, on aurait du t puissance moins 2x sur t puissance moins 2x sur 2, non? Alors là, il va falloir m'expliquer comment tu as eu du 2x et que tu as du sur 2. Quelle simplification de magie noire! T'as remplacé x par 1 dans ta tête? Non, même pas, ça marche même pas. Non, mon x il reste là, mon moins x Alors, il c'est est de pas la stoppé. gestion. On va voir si c'est de la gestion de paramètres. T puissance a, c'est quoi sa primitive, François? Maintenant, c'est t puissance a plus 1 sur a. Alors déjà la formule est fausse, c'est sur a plus 1, parce que quand tu en dérives, le a plus 1 va simplifier comme ça. C'est sur a plus 1, mais donc si tu m'appliques ça ici, et c'est exactement ça, ce qui joue le rôle de a, c'est moins x. Donc ça me fait du t puissance moins x plus 1 sur Moins x plus moins 1, x ouais. plus 1. Et bizarrement, on a du x moins 1 l'inégalité voulue finale. Donc maintenant, si je traverse. Si je mets ça aux bornes, ça va me faire du a puissance moins x plus 1 sur moins x plus 1 moins 1. 1 puissance n'importe quoi, ça va me faire 1 puissance moins x plus 1. Donc maintenant, si je fais tendre a vers plus l'infini, ça va bien me donner que phi de x à gauche, c'est phi de x, est plus petit. Ce terme-là, j'ai pas envie de passer trop de temps dessus, mais il tend quand a tend vers plus l'infini vers 0 parce que la puissance moins x plus 1 est une puissance négative, x étant plus grand que 1. X est plus grand que 1, donc la puissance a moins x plus 1, elle est négative, c'est un a au dénominateur, entre guillemets, donc ça va bien tendre vers 0 quand a tend vers plus l'infini. Et donc il me reste du moins 1 sur moins x plus 1, ce qui me fait bien du 1 sur x moins 1. Voilà. Et on a bien prouvé l'inégalité voulue. Et c'est bien ça qui donne la limite. Alors, chaque fois qu'on a besoin de faire une limite quelque part, il y a ce genre de calcul technique qui arrive. Typiquement, si je me souviens bien, votre DM que je vous ai donné à faire pendant les vacances, là, et pendant les 2 semaines après, il y a deux limites qui sont faites aux deux bords où l'intégrale converge, aux deux bords du domaine de définition de la fonction. Donc il y a deux encadrements techniques de ce type-là qui sont faits, qui ont pour but de trouver les limites derrière, juste par théorème des gendarmes à chaque fois. La méthode est toujours, toujours, toujours la même. Est-ce que ça va dur cet encadrement-là? On aurait eu l'inégalité à prouver au concours? Oui, vous auriez eu. En fait, vous n'auriez pas eu l'étape intermédiaire, vous auriez eu ça. Oui, vous aurez. Clairement, il y aurait eu ça. Ce que j'encadre. C'est-à-dire à vous de faire le lien, à vous de faire les liens intégrales derrière. Mais il y aurait eu, et après, il y aurait eu à en déduire la limite. Enfin, après, voilà, sur les concours, sur les gentils. L'idée, c'est 1 supérieur à 0. Non, alors l'idée, c'est pas vraiment 1 supérieur à 0. La vraie idée, elle est là. La vraie idée, Hugo, elle est là. C'est l'idée, c'est je dois comparer un nombre à une intégrale. Ce nombre est donc une intégrale que j'ai su primitiver. Il faut que je modifie ma fonction en un truc qui est primitivable simple, mais qui fait encore apparaître les bons paramètres. Typiquement, pourquoi j'ai utilisé ça? C'est parce qu'il faut que je garde mon x. Sinon, comment est-ce que si je fais disparaître x, comment je peux espérer obtenir du x moins 1 là-dessus? Je fais dans ce cas-là. Déjà 15h, aïe 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 aïe, ma fonction gamma. Je fais quand même une parenthèse. Je vous laisse faire, je vais pas tout faire, mais je vais vous expliquer un truc. Alors, faut que je retrouve mon exo, mais ça, c'est un classique. On l'a peut-être pas fait en début d'année, ou si on l'a fait, j'ai oublié. Enfin, je suis plus sûr. Ça fait partie des choses dures. En général, je les donne en colle et je les fais pas faire en classe. Oui, alors justement, même idée. Montrer que. Je ne sais plus si on l'a fait en classe ou pas celui-là. L'intégrale
d'entraîner, sincèrement. Faire cette preuve-là, c'est le même calcul. Alors, sauf qu'il n'y a pas d'intégrale impropre, vu que tout est bien défini sur 0,1, il n'y a pas d'intégrale impropre là-dedans. Mais en termes d'idées, faire cette question-là que je viens de vous donner, c'est la même chose que la limite que l'inégalité qu'on vient de faire. Il y a les mêmes idées dedans. Si vous comprenez ce qu'il faut faire pour ce qu'on vient de faire là, vous pouvez essayer de vous faire cet exercice-là. C'est vraiment la version... J'en connais pas de plus simple que de celle-là. Mais pourtant, il y a la même idée. C'est à la même niveau de difficulté pour moi. C'est vraiment ce que j'essaie de te faire dire, Hugo. C'est pas... Le but, c'est pas du 1 supérieur à 0. C'est... J'ai une intégrale que je veux comparer à un nombre. Ce nombre doit être l'intégrale de quelque chose. Ce quelque chose doit être une fonction plus grande que celle-là. Et il faut que je trouve un truc en rapport entre les deux. Et le truc en rapport, c'est que puisque je, en gros, moralement, puisque je veux du n plus 1 à la fin, je dois garder mon t puissance n. J'ai pas trop le choix. Et tout ça cumulé fait obtenir la bonne inégalité. Donc je vous laisse le faire, vu que je veux quand même qu'on ait parlé un petit peu de la fonction gamma. Mais je vous assure que c'est un très bon exo si vous voulez vous entraîner sur ce genre de choses. Mais là, j'ai aucune idée de quelle intégrale fera 1 sur n plus 1. Bah justement, il faut réfléchir à quelle déjà, si parmi t puissance n sur 1 plus t, qu'est-ce que tu sais facilement primitiver et dont tu pourrais calculer l'intégrale et dont l'intégrale va encore dépendre de n. Et après, magiquement, je t'assure que ça fera 1 sur n plus 1 dès que tu auras trouvé la bonne fonction et c'est pas si dur que ça. Alors... On va créer une horreur, vite fait. Comment je la crée, cette horreur? Alors, faut pas que je dise de bêtises. On va créer une fonction. Alors, juste que je me rappelle, base fois hauteur divisé par 2. Ah oui, mais c'est plus horrible que ça. Il faut que je fasse que la somme dans chaque intervalle si, ou alors je mets un plus grand, non, celle-là elle tend vers 0. Ok, donc c'est pas ça, c'est ma base qui doit être petite, donc je veux une base en 1 sur n cube. Génial. Je vais vous créer une fonction horrible. Je vais créer une fonction où en fait, entre, pour chaque intervalle de la forme nn plus 1, entre n et n plus 1 sur n cube, donc jusqu'au milieu là, ça va me faire un triangle, cette fonction. C'est une droite qui monte comme ça, qui redescend comme ça. Et le pic ici, il est à n. Et après, la fonction est nulle. Donc en n plus 1, pareil en fait, hein, j'aurai ici un point en n plus 1 plus 1 sur n plus 1 au cube. Donc, et j'aurai un pic qui est encore un tout petit peu plus haut et un tout petit peu plus fin. Est-ce que vous voyez bien l'horreur que je fais? Ça fait un truc de ce genre-là. Hein, moralement, au tout début, votre fonction, si je fais plein d'intervalles, ça fait un triangle qui a une base réduite et une hauteur moyenne. Et puis après, un peu plus loin, ça fait un triangle un peu plus haut et une base plus basse. Et encore un peu plus loin, ça fait un truc comme ça. Et encore un peu plus loin, ça fait un truc comme ça. Et ça a l'air de plus en plus pointu. Et je suis en train de vous créer une fonction comme ça. Et cette fonction comme ça, entre les deux, je la relis bien de façon continue. Donc ça fait un triangle, ça fait 0, ça fait un triangle, ça fait 0, ça fait un triangle, ça fait 0. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'horreur que je suis en train de vous créer comme fonction? Bah, cette fonction-là, si je l'appelle fn de x, elle a aucune limite en plus l'infini, vu qu'à tout moment elle peut dépasser n. Enfin, donc elle va aller. Oui, en ds, ça monsieur. J'ai pas compris le oui en ds, ça monsieur. Non, mais on va pas faire ça en DS, c'est juste pour vous expliquer ce qu'on peut créer comme... genre, donnez-le en DS. Ah non, on va pas faire ça comme ça. Là, c'est juste pour vous expliquer pourquoi on peut pas dire qu'une fonction qui tend vers 0
qui ne tend pas vers 0 et à une intégrale divergente. Parce que je vous crée cette fonction horrible là. Maintenant, l'intégrale de 0 à plus, enfin de 1 à plus l'infini, j'ai pas envie de m'embêter avec 0, de 1 à plus l'infini de fn de x dx, ça, c'est la somme des surfaces de tous les triangles. Clairement, vu qu'entre 2, ça fait 0. Or, la surface d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Je me suis arrangé pour que la hauteur, ça fasse n. La base, vu que ça va entre n et 1 sur n cube, ça fait du n cube divisé par 2. Donc en fait, ça me fait la somme pour n égale 1 à plus l'infini des n sur 2n cube. Ça me fait du 1 demi de la somme pour n égale 1 à plus l'infini des 1 sur n carré. Ceci est une série convergente. Ça fait même, vous le savez tous maintenant, pi carré sur 6 divisé par 2, donc du pi carré sur 12. Ah, même si on n'a pas le savoir. Ah, donc cette fonction horrible qui a des triangles de plus en plus hauts et de plus en plus réduits en base. Donc clairement, il y a des moments où elle est proche de l'infini, et il y a des moments où elle est nulle quasiment partout. Bah, cette fonction a une intégrale finie, a une intégrale convergente, alors qu'elle peut être aussi grande que je veux à un moment donné. À cause de ça, si une fonction n'a pas de limite en plus l'infini, cette fonction n'a clairement pas de limite en plus l'infini, elle est aussi grande que je veux, puis elle retombe à zéro, peut avoir une intégrale convergente. Donc on ne peut pas avoir la même chose que la divergence grossière pour les intégrales impropres. C'est le monstre du Loch Ness des intégrales impropres, c'est cette horreur que je viens de créer. C'était pour rebondir sur la remarque de Oussama. Ça te va comme exemple ça, Oussama? C'était juste pour faire une petite remarque pour dire ce qu'on pouvait créer comme horreur. Voilà. Tant pis, on débordera peut-être de 5 minutes. Hein. Il faut au moins qu'on ait construit proprement la fonction gamma. Donc on change d'exercice, donc on change d'intégrale, mais le concept va être fondamentalement le même. Je veux créer la fonction gamma de x, qui est l'intégrale de 0 à plus l'infini de t puissance x moins 1 exponentielle moins t dt. Je vous le dis, toute cette année, la fonction gamma de x sera on fera des exos dessus, plein, parce que c'est un truc important. Dès l'année prochaine, la fonction gamma et la loi de variable à densité associée qu'on appelle la loi gamma seront dans votre cours de seconde année. Donc si vous avez des cases mémoire en ce moment à remplir pour apprendre des trucs, je suis pas sûr, hein, mais à connaître, vous devrez l'apprendre de toute façon. Mais donc on va se concentrer sur la fonction gamma de x. Gamma de x qui est cette fonction-là. Et la première question, c'est, encore une fois, c'est quel est le domaine de définition de gamma de x? Donc en gros, pour quel x est-ce que l'intégrale converge? Alors, première chose à voir, c'est, on va déjà voir, c'est l'exo, oui c'est l'exo 6, c'est exactement ça Baptiste, c'est l'exo 6. La première question, c'est, on va déjà voir, où est impropre cette intégrale? On a le même problème que tout à l'heure, c'est qu'on a du t puissance x moins 1. Donc allons-y, on va commencer par dire que t puissance x moins 1, c'est exponentielle x moins 1 ln de t. Ok. Donc ça implique que la fonction qui a t donne t puissance x moins 1, elle est clairement continue sur 0 ouvert plus l'infini à cause du ln. T puis du coup t qui donne exponentielle moins t, elle est clairement continue sur r. Au final, ça me donne que la fonction qui a t donne t puissance x moins 1 exponentielle moins t dt, exponentielle moins t. Et continue que sur 0 ouvert plus l'infini, ce qui implique que cette intégrale est impropre en 0 et en plus l'infini. Donc on va devoir aller regarder pour quelle valeur de x ça va marcher en 0 et à l'infini. Alors, hop, je l'efface 10 secondes, j'efface le haut.
Vous voulez commencer par quoi? 0 ou l'infini? Je vous laisse décider. Il y en a un qui est facile et l'autre pas facile. Alors le premier que j'ai vu, c'est Raphaël en 0. Raphaël, il aime bien faire des trucs compliqués. Donc on commence par le compliqué et après on fera le simple. Donc on commence en 0, ok, bah voilà. Vous voulez tous faire du compliqué, sauf où ça va. En 0. Bah, il va falloir essayer de voir ce que veut, comment contrôler cette fonction en 0. Donc, au final, ma fonction, elle s'écrit comme ça. Elle va être assez peu simplifiable, en fait, cette fonction-là. Donc, je vais pouvoir même directement en trouver un équivalent de référence si j'ai la bonne limite. Donc, parlons-en de cette limite, déjà. On va commencer par parler de la limite de cette chose-là. T puissance x moins 1 exponentielle moins t, ça me fait donc du exponentiel de x moins 1 ln de t exponentielle moins t. Alors, ça va tendre quand, quand t tend vers 0, la limite va dépendre de x encore une fois. Si je fais de la forme toute bête sans trop réfléchir, déjà mon exponentielle elle va pas me gêner, parce que mon exponentielle elle va faire du x1 à chaque fois. Donc, cette quantité-là, en fait, elle tend vers du exponentiel de... Alors, ça va me faire du moins l'infini si x moins 1 est strictement positif. Parce que dans ce cas-là, si x moins 1 est strictement positif, c'est bien la limite de ln. Ça va me faire du exponentiel de plus l'infini si x moins 1 négatif ou strictement négatif. Et ça va me faire du exponentiel de 0 si x égale 1. Donc la limite de cette fonction, quand t tend vers 0, ça fait 0, ou ça fait 1, si x moins 1, donc si x moins 1 strictement positif, ça fait 1 si x égale 1, et ça fait plus l'infini si x moins 1 strictement négatif. Voilà la limite de ma fonction. Encore une fois, je vais embêter quelqu'un pour savoir dans quel cas je peux conclure. Alors 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21. Léna, est-ce que tu peux me dire, dans ces trois limites, lesquels cas nous permettent instantanément de conclure à la nature de l'intégrale en 0? Alors, on essaye de tracer une fonction en 0, donc tu as la borne 0 qui est là, on essaye de tracer la fonction associée. Dans quel cas, on va pouvoir conclure simplement à la surface, juste quand la limite est finie ou quand la limite est infinie, pour savoir si ça converge, si ça diverge. C'est quoi le plus simple? Si mon graphe, je le complète comme ça ou si mon graphe, je le complète comme ça? Exactement, c'est exactement ça, Léna. Quand la limite est finie, on l'avait vu bien avant de parler d'intégrale impropre, on peut dire que la fonction est prolongeable par continuité, donc que l'intégrale est faussement impropre. Donc ça nous permet déjà de conclure à quelque chose. Si x supérieur ou égal à 1, en fait, alors l'intégrale est faussement impropre en 0. Et donc, alors je vais juste dire l'intégrale de 0 à 1 de t puissance x exponentielle moins t, c'est du x moins 1, exponentielle moins t dt, converge. Alors on n'a pas réglé un des cas, on n'a pas réglé le cas si x strictement plus petit que 1, parce que là la limite c'était bien du plus l'infini. Là on est dans le cas où ça explose et on faut voir ce qui se passe. Alors mais comme ça explose, on va être aidé un tout petit peu. Si x est plus petit que 1, ma fonction t puissance x exponentielle moins t, en fait, elle est équivalente quand t tend vers 0 à du t puissance x moins 1 fois 1. En fait, l'exponentielle tend vers 1, c'est ce qu'on a dit. L'autre terme va vers l'infini. Donc, c'est bien ça qui explose, c'est bien ça qui va porter l'équivalent.
Et je vais vous aider un tout petit peu, on va tricher. Le t puissance x moins 1, en fait, je vais plutôt l'écrire 1 sur t puissance 1 moins x en changeant la puissance. Parce que si je l'écris du 1 sur t puissance 1 moins x, instantanément, ça c'est comme du 1 sur t puissance alpha en faisant jouer à alpha le rôle de 1 moins x. Donc la question c'est quand est-ce que ça converge ça? 8 qui est 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Élise, quand est-ce que ça... Donc pour quelle valeur déjà de alpha est-ce que ça converge et donc en x derrière? Alors la borne va pas être liée à x plus grand que 1. C'est pour ça que je t'avais dit d'abord la borne en alpha ou en A, hein, tu peux mettre A sur ton clavier, parce que c'est la borne en alpha, elle est forcément en 1. Comme la borne en alpha, elle est forcément en 1, la borne en x, elle va pas être liée à 1. Elle va être soit, selon le sens des inégalités, elle va être soit liée à 0, soit à 2, en gros, globalement. Alors oui, c'est le bon résultat. En effet, on sait ça dans le cours que ça converge si et seulement si alpha plus petit que 1, ce qui me donne du 1 moins x plus petit que 1, ce qui me donne du x plus grand que 0 en tournant tout. Donc cette intégrale par critère de comparaison... Alors, hop, j'efface mon graphe maintenant, on a compris. Je conclue pour ne pas effacer tout le reste, vu que je viens d'écrire ça et que je viens d'écrire. Par critère d'équivalence sur les fonctions positives, l'intégrale de 0 à 1 de t puissance x moins 1 exponentielle moins t dt converge. Et seulement si x strictement positif. Donc déjà, première contrainte avec ce qui se passe en 0, c'est que cette fonction ne peut pas encore une fois être définie sur R-. Elle est définie uniquement sur R plus étoile, avec ce qui se passe en 0. Maintenant, il faut aussi étudier ce qui se passe en plus l'infini pour pouvoir conclure. Donc, en plus l'infini, là ça va être beaucoup plus simple, t puissance moins 1 exponentielle moins t, ça fait du exponentiel x moins 1 ln de t fois exponentielle moins t, ça fait tout simplement du exponentiel x moins 1 ln de t moins t. Je peux tout regrouper dans la même exponentielle en fait. Et ce qui va nous faire tout gagner là-dedans, c'est tout simplement que tout ça, globalement, c'est moins t qui l'emporte. Alors, j'ai pas le droit de composer les équivalents, hein, donc je vais pas le faire. Mais moralement, c'est moins t qui va l'emporter, donc tout ça va tendre vers 0. Et ça va pas dépendre de la valeur de x, moralement. Mais donc, si ça tend vers 0 et sans dépendre de la valeur de x, ici, c'est typiquement le genre de cas où on ne peut pas prendre d'équivalent, vu que ça va toujours tendre vers 0. Mais par contre, on peut facilement faire un petit o. Alors ça, je peux l'écrire, hein, c'est tout simplement, enfin, sans prendre d'équivalent, c'est parce que car x moins 1 ln de t moins t, ça, je prends un équivalent de ça. Quand t tend vers plus l'infini, c'est clairement équivalent à moins t. Et maintenant, je ne compose pas les équivalents, mais je compose les limites. Oui, Baptiste. Pourquoi l'intégrale, monsieur, qui est en dessous, c'est de 0 à 1? Alors, parce que comme j'ai dit, non, mais comme j'ai juste deux problèmes de convergence, un problème en 0, un problème en plus l'infini, faut que je coupe. C'est juste pour pas mettre plus l'infini, du coup? Oui, voilà, c'est juste pour couper au milieu. J'ai coupé à 1 parce que
C'est ce qu'on fait généralement, mais j'aurais pu couper à 10 000, je m'en fiche, il faut juste pas que je mette plus l'infini directement. On aurait pu mettre A ou un truc comme ça, du coup. Voilà, oui, d'un intégral de 0 à A, c'est juste qu'on ne peut pas encore mettre plus l'infini tant qu'on n'a pas fait l'étude de l'autre côté. D'accord, merci. Donc la limite de la fonction, c'est ça, et ça vaut 0 quelle que soit la valeur de x. Quel que soit x appartenant à R, en fait, j'ai pas de problème. Comment je vais pouvoir prouver du coup que c'est convergent ou divergent? Bah, dans ce cas-là, je ne vais pas m'embêter en fait. Je vais directement me comparer à une intégrale de Riemann. C'est-à-dire que je vais faire t puissance x moins 1 exponentielle moins t divisé par t puissance alpha. Ça va me. Pardon. Pas divisé par t puissance alpha. Divisé par 1 sur t puissance alpha. Ça va me faire du t puissance alpha plus x moins 1 fois exponentielle moins t, qui par le même calcul qu'ici au-dessus va me donner du exponentiel de alpha plus x moins 1 ln de t moins t. Encore une fois, quelle que soit la valeur des constantes, c'est le polynôme de degré 1 qui l'emporte sur le ln par croissance comparée. C'est vrai que je ne l'ai pas mis ici, mais c'est de la croissance comparée qui fait dire que c'est équivalent à moins t. Et donc ça, clairement, ça tend quand t tend vers plus l'infini, quelle que soit la valeur de alpha vers 0. Quel que soit alpha, x, je m'en fiche réellement. Donc ça me permet d'écrire que ma fonction t puissance x moins 1, je vais effacer ce qui n'a plus rien à voir avec ça, sinon on va se mélanger. Hop. Et ça va me permettre de gagner un peu de place. Donc ça me permet de dire que ma fonction t puissance x moins 1 exponentielle moins t est toujours un petit taux de 1 sur t puissance alpha, quel que soit alpha. Donc en particulier, par exemple, pour nous, je vais un tout petit peu plus vite sans faire les graphes, mais ici, pour nous, c'est pour alpha égale 2. On a un petit taux de 1 sur t carré. Ça implique que l'intégrale de 1 plus l'infini de t puissance x moins 1 exponentielle moins t dt converge par comparaison à une intégrale de Riemann. Et donc ça, bien sûr, puisque l'intégrale de 0 à 1 convergeait maintenant avec l'intégrale de 1 plus l'infini converge, ça me donne que l'intégrale de 0 à plus l'infini converge. Donc en fait, en plus l'infini, il n'y a aucun problème de convergence. L'exponentielle écrase tout. Et comme l'exponentielle écrase tout, il y a zéro problème de convergence en plus l'infini. Tous les problèmes de convergence de la fonction gamma viennent du 0. Et donc en particulier, gamma, eh bien, au final, définit sur 0 plus l'infini. Donc cette fonction, elle est définie sur R plus étoile. Voilà pour le domaine de définition de la fonction gamma. Est-ce que ça vous va? C'est bon. C'est pas simple hein, ces trucs. Il y a plein de paramètres, il y a des x, il y a des alpha, il y a tout ça, mais il faut encaisser. Dernière question, on arrêtera là. Après, je vous laisserai finir l'exercice pour vous amuser si ça vous intéresse. Mais la deuxième partie, c'est encore quelque chose de très important et qu'il faut savoir faire. Et je vous ai, du coup, ça me permettra de conclure en vous expliquant ce que c'est vraiment que cette fonction gamma. C'est une façon très 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 compliquée d'écrire la factorielle. Bon, il nous reste une question, c'est un classique à montrer. Ça, c'est pas du cours dans les sujets de concours. Ça, il faut le reprouver. Ou alors, non, c'est ça qui est du cours et après, c'est la valeur de gamma qu'il faut savoir reprouver. Enfin, Monsieur Prouveau vous l'expliquera à chaque fois. Non, je pense qu'il faut la reprouver, cette relation-là, à chaque fois. Donc, c'est montrer que, quel que soit x strictement positif, on peut prouver que gamma de x plus 1, c'est x fois gamma de x. Donc en gros, on veut un lien de récurrence, entre guillemets, hein, entre l'intégrale de t puissance x exponentielle moins t dt
Il y a un x qui sort et il y a l'intégrale de t puissance x moins 1 exponentielle moins t dt. Donc, moralement, c'est ça qu'on veut comme genre de lien. J'ai pas mis les bornes, hein, mais c'est, ça va être 0 à plus l'infini. Est-ce que quelqu'un a une idée de comment est-ce que je peux essayer de prouver trouver un tel lien et le prouver? C'est pas très très dur. Notamment, ce qui doit vous faire tiquer, c'est juste ça. Enfin, c'est même pas le x en facteur. Enfin, si, c'est le ceci, t puissance x. Et ici, j'ai du t puissance x moins 1 et j'ai un x en facteur. Il n'y a pas un lien assez naturel entre les deux? Oui, Louis, c'est exactement ça. À droite, c'est la dérivée du membre de gauche. Donc, c'est comme si j'avais dérivé un membre dans l'intégrale de gauche. Quelle opération mathématique j'ai fait pour dériver un membre de mon intégrale à gauche? On a fait une IPP, en fait, tout simplement. Donc, encore une fois, on ne peut pas faire d'IPP sur les intégrales impropres. Donc, on va partir de l'intégrale de 0 à a de t puissance x exponentielle moins t dt. On va essayer de faire une IPP là-dessus. Pour ça, on va poser, donc on va essayer de dériver, comme d'habitude, on primitive l'exponentielle et on dérive la fonction t puissance x. Je rappelle qu'il faut dire que U et V sont toutes les deux des fonctions de classe C1. On va pas s'embêter sur R plus... Ah, je viens de faire une bêtise. Est-ce que quelqu'un la voit? Ah, j'étais un tout petit peu trop vite. J'étais bien gentil de mettre ma borne A en haut parce qu'on ne peut pas faire des choses sur des intégrales impropres. Mais j'aurais dû faire autre chose en plus ici. Est-ce que quelqu'un le voit? Je dois changer un tout petit truc dans mon tableau. Le 0. Oui, mon intégrale, elle est aussi impropre en 0 en fait. Donc j'ai pas le choix, il faut que je mette aussi un epsilon ici, enfin que je mette une deuxième lettre un tout petit peu petite. Et je dis que c'est, je m'en suis rendu compte quand j'allais dire que mes deux fonctions sont continues, sont C1 sur R plus étoile. Donc elles sont pas C1 en 0, donc je peux pas faire mon IPP. Mais donc si je dis ça, je peux calculer mes primitives. U de t, il faut savoir primitiver exponentielle moins t. Ça fait du moins exponentielle moins t. La dérivée de V de t, comme l'a dit Louis, ça fait du xt puissance x moins 1. Donc maintenant, je peux faire mon IPP. Ça me fait encrocher les deux fonctions que je mets deux. C'est du V prime. Il manque un prime qui n'est pas passé ici. Donc c'est mes deux fonctions, pardon, donc ça me fait du t puissance x fois moins exponentielle moins t à prendre entre epsilon et a, moins l'intégrale de epsilon à a des deux fonctions que j'ai cherchées, qui me fait du xt puissance x moins 1 fois moins exponentielle moins t dt. Alors, je vais réécrire ici du coup ce que ça fait. Mon crochet. Ça va me donner du moins a puissance x exponentielle moins a. Ça va aussi me donner du plus epsilon puissance x exponentielle moins x. C'est du exponentielle moins epsilon ici. Oula, je vais effacer parce que c'est moche. J'ai mon intégrale qui reste, je peux sortir le x, je peux sortir le moins 1, il me reste epsilon à a de t puissance x moins 1 exponentielle moins t dt. Donc voilà ce que fait mon calcul. J'efface le haut et on a fini. Donc maintenant qu'on a ça, il ne reste plus qu'à faire les limites quand a tend vers plus l'infini et quand epsilon tend vers 0. Il faut faire les deux limites officiellement séparées. On peut gagner un tout petit peu de temps en faisant les deux en même temps, mais il faudrait faire les limites. Donc je vais le faire en deux couleurs, mais en même temps. A puissance x exponentielle moins a. Ça tend quand a tend vers plus l'infini. C'est du a puissance x fois de l'exponentielle. Ça tend vers 0 par croissance comparée. C'est l'exponentielle qui l'emporte.
De l'autre côté, c'est pas pareil du tout, parce que exponentielle de moins epsilon, ça tend vers 1. Donc ça, ça tend quand epsilon tend vers 0, vers 0, tout simplement parce que x est strictement positif, c'est-à-dire que la puissance qui est là est une puissance positive. Donc mes deux termes entrecrochés tendent vers 0, ce qui montre bien que quand je prends la limite quand a tend vers plus l'infini et quand epsilon tend vers 0, ça s'écrit que l'intégrale de 0 à plus l'infini de t puissance x exponentielle moins t dt est égale à x fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de t puissance x moins 1 exponentielle moins t dt. Et ça, c'est bien du gamma de x plus 1, facteur de x fois gamma de x. Une relation de récurrence très 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 classique, à savoir prouver. Est-ce que ça va pour ce calcul? Oui, Pauline, ça va globalement? Ok. C'est un calcul classique. Hein. Ça fera aussi partie des questions de cours que je vous mettrai à savoir faire sur ce thème, parce que c'est vraiment un truc classique qu'il faut faire. J'explique juste deux trucs, deux, trois trucs. J'en ai pour 2 minutes, on ne fait aucun calcul. C'est juste pour vous expliquer ce que c'est et quel sens de cette fonction gamma. Et on arrêtera là. La suite de l'exo vous fait calculer gamma de 1. Gamma de 1, ça fait l'intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle moins t dt. Pour nous, maintenant, ça c'est une intégrale de référence. Gamma de 1, ça fait 1. Et ensuite, on peut calculer que gamma de 2, avec la relation qui est là, ça fait du 1 fois gamma de 1. Donc gamma de 2, ça fait 1. Gamma de 3, ça fait du 2 fois gamma de 2, donc ça fait 2. Je vais y arriver, hein. Gamma de 4, ça fait du 3 fois gamma de 3, donc ça fait 6. Gamma de 5, ça fait du 4 fois gamma de 4, ça fait 24. On va y arriver, hein. C'est juste pour vous faire comprendre, mais gamma de 6, je le fais même de tête, je m'en fiche, ça fait 120. C'est quoi cette fonction gamma, en fait, sur les entiers? C'est juste pour le sens, hein. C'est pas, on va pas faire de preuve, pas de calcul. Alors c'est la factorielle, c'est la factorielle décalée d'un cran en fait, Simon, c'est exactement ça. C'est la factorielle décalée d'un cran, c'est-à-dire qu'en fait, gamma de n, on peut prouver sans la moindre difficulté que gamma de n, ça fait n moins 1 factoriel. Donc c'est la factorielle décalée d'un cran. Mais donc on vient de créer une fonction qui est continue, enfin qui est continue, qui est définie sur r plus étoile, et qui sur les entiers vaut la factorielle. Donc en fait, on vient de rendre la factorielle continue. On peut faire des factorielles, factorielle 3,5, factorielle 7 quarts, factorielle ce que vous voulez, si vous partez sur la fonction gamma pour ça. Et notamment, fait drôle, alors j'ai plus la valeur en tête, vous pouvez la trouver sur internet sans la moindre difficulté, hein, mais si vous regardez la fin de votre exo, il vous donne un changement de variable à proposer, mais on peut prouver que gamma de 1,5, de mémoire, ça vaut racine de pi sur 2. Donc factoriel 1,5, si vous voulez, ça fait racine de pi sur 2. Cette intégrale, ce calcul là de la question 4 de l'exercice 6 que j'ai pas le temps de traiter, c'est vraiment juste encore une fois que vous avez fait le changement de variable proposé, c'est retombé encore une fois sur l'intégrale de la loi normale, dont on a déjà fait des exercices jeudi dessus et mardi. Si vous avez le temps, c'est des bons petits calculs. C'est pas capital, c'était juste pour la culture et pour le sens que ça a. Tant pis si on n'a pas le temps de le faire. Je pense que cet exercice, je l'avais fait en entier en ligne l'année dernière. Donc vous devez pouvoir trouver la correction du calcul de gamma 1,5. Hein. Mais c'était juste pour votre culture et vous expliquer ce que ça faisait vraiment que cette fonction gamma. Voilà, on a fini pour moi. Le lundi de la rentrée, on va reprendre.